terrasse, j'ai mis de la ouïe. Je vérifie son fond d'œil parce que là elle est hyper tendue et elle ne prend pas de médicaments régulièrement. Donc là je commence à combien? Normalement il devrait bien. Vous pouvez lui donner quelque chose à lire. Alors, les lunettes de presbytie que l'on remet en brousse aux personnes âgées sont triées préalablement par Medico Lions Club, par l'atelier médico au Havre, par des opticiens. Et nous apportons les ophtalmos, nous-mêmes, on apporte des lunettes de presbytie en venant sur un cirabé à chaque fois. Et comme ça, les personnes qui en ont besoin, qui arrivent ici, ne voient rien en arrivant et en repartant, repartent avec une vision correcte. C'est super. Bruno et moi allons faire du dépistage de masse. Qu'affineront le docteur Nicolas et l'infirmière Tamara, qui est infirmière ophtalmo qui travaille pour Peace Corps. Et donc il y aura deux postes de réfraction. Après quoi, les gens auront leur ordonnance et viendront, si c'est un problème de presbytie, choisir leurs lunettes. Humanitaire depuis quelques années, il m'a donné l'envie de l'accompagner pour la première fois. Ses patients sont gentils, sont accueillants et sont reconnaissants. Il y a un petit contact qui se fait entre nous quelques minutes, mais c'est suffisant pour apporter de la joie quotidienne finalement. Donc nous, le but c'est de venir faire du dépistage, du traitement médical, éventuellement chirurgical, puisqu'il y a un bloc opératoire qui se met en route, et aider les patients à mieux voir. Et surtout en profiter pour former des médecins malgaches pour qu'eux puissent pérenniser cette action. Allez, visite du bloc opératoire, remis en état. Entrée du patient. Salle d'attente, entrée des chirurgiens avec le vestiaire. Alors on rentre au bloc, le patient peut s'installer sur le brancard pour l'anesthésie, puis passera dans le bloc opératoire. L'installation de la table avec un beau microscope dont certains seraient jaloux.
Les chirurgiens, après s'être lavé les mains avec l'auge, rentrent par cette porte automatique. Et à la fin de l'intervention, les instruments passent dans la pièce voisine pour être nettoyés délicatement afin de pouvoir être stérilisés dans cette pièce avec le bel autoclave qui fonctionne parfaitement bien pour être stocké pour la prochaine intervention. On est content de voir que ce magnifique ensemble soit fonctionnel.